Thank you.
concede everything. What if I say that those tricks could be as real as you and I? Yeah, it's crazy, but that's what Kaiser Agency tried to do, and it's smoked it. Do you like this PR behind me? Me? I do. And with your application, it could be with me anywhere, anytime. So now, I let my teammates present for an exceptional project, Nostrum. Don't forget, Nostrum increased your reality. Merci Luc pour cette rapide présentation de notre projet. Comme il l'a dit dans sa vidéo, nous sommes l'agence Kaetera. Nous sommes devant vous 5 personnes, car Luc, qui est un de nos développeurs, est actuellement au Canada. Je vous présente donc Thomas, qui est notre chef développeur, Flavien, qui est également un de nos développeurs, Tiffany, notre graphiste, Iliana, notre chargée de communication, et moi-même, qui suis la chef de projet de l'agence Kaetera. Au cours de ces 3 semestres, nous avons tous ensemble travaillé sur la conception et la réalisation d'un projet, axé autour de la problématique suivante. Dans quelle mesure la réalité augmentée nous a-t-elle permis de faire découvrir l'art d'une nouvelle manière? Nous allons donc vous présenter maintenant plus en détail Nostra, en parlant tout d'abord un peu de graphisme, ensuite nous vous ferons une démonstration de ce projet, puis nous verrons les aspects techniques et enfin la stratégie de communication. Je vais maintenant laisser Iliana faire un rapide pitch de ce projet. Notre projet Nostra est un service qui se destine aux artistes 3D localisés en Ile-de-France, mais aussi aux férus d'art et de technologie. Ce service est un service de dépôt et de collecte d'œuvres 3D. Et par œuvre 3D, nous entendons toute réalisation faite sur un ordinateur et composée de polygones. On va maintenant vous passer une petite vidéo qui vous montre pour un peu plus de précision ce qu'est notre projet. La réponse à Kaetera qui signifie ce qui nous manquait. À l'envers, Nostra devient Art Zone, ce qui illustre donc notre volonté de faire du monde une zone d'expression pour les artistes 3D. Le logo a été créé de manière à illustrer le côté technologique et créatif de notre projet. Il illustre la dématérialisation qui est donc en rapport avec la réalité augmentée. À présent, on va commencer à vous parler plus concrètement de Nostra. Donc, pour réaliser Nostra, il a fallu mettre en place 2 services. Donc, l'un sur ordinateur, avec notamment une page web, mynostra.app, et ensuite une application sur mobile. Donc, sur la page web, on peut retrouver la gestion de compte, mais surtout le plus important et l'essentiel de cette page, c'est surtout la mise en ligne des œuvres par les artistes. Ils pourront également retrouver une FAQ qui leur sera utile pour notamment savoir leurs droits ou comment mettre les œuvres en ligne s'ils rencontrent certaines difficultés. Il y a également un système de notification qui a été mis en place, donc qui les avertit sur l'actualité de leur œuvre, si elles ont été bien placées ou des notifications directement liées au compte. Il y aura également un support technique pour notifier toute erreur qu'un utilisateur peut apercevoir. Sur l'application de Nostra, il y aura également la gestion de compte, mais le principal, c'est surtout le visionnage des œuvres qui ont été posées par des artistes. Il y aura également une carte qui permet de visualiser où sont placées les œuvres à proximité de notre géolocalisation. Également la galerie d'œuvres et le support technique. On va à présent passer à une démonstration. Donc Iliana va prendre le rôle d'une artiste
Donc là, actuellement, elle est connectée sur un compte. Il va tout d'abord falloir qu'elle passe son compte en tant que compte artiste. Une fois qu'elle aura bien pris connaissance des conditions, il faudra qu'elle valide. Et là, elle va avoir une page où elle pourra directement décider d'ajouter une œuvre. Donc il y a tout d'abord un texte explicatif, après il y a sa zone où elle peut choisir de déposer deux fichiers. Donc un .obj qui sera l'œuvre en 3D, et également un .mtl qui est le fichier matériau rattaché à ce .obj. La limitation c'est de 64 MO. On recommande cependant en dessous de 32 MO afin que ce ne soit pas trop long au chargement sur l'application. Après, elle peut décrire son œuvre, donc lui donner un nom, faire une description rapide et surtout mentionner les personnes qui ont réalisé cette œuvre. Il y a également une case qu'on peut cocher si l'artiste estime que son œuvre peut heurter la sensibilité de certains utilisateurs. En dessous, à la fin de la page, elle va avoir une carte donc, qui se place en fonction de sa géolocalisation actuelle, dans laquelle elle va pouvoir voir les lieux où elle pourra exposer. Donc sur la gauche, elle a un aperçu du lieu. Et à droite, quand elle clique sur exposer, c'est là où elle aura exposé son œuvre. Et après, il suffit qu'elle valide. Et là, elle va avoir un récapitulatif des informations qu'elle aura rentrées précédemment. Et là, elle va arriver sur l'étape 2, donc elle a de nouveau un récapitulatif. Et là, elle va pouvoir choisir la taille qu'elle décide en mettre pour son œuvre. Donc il y a entre standard, grand et gigantesque. Donc là, il y a marqué que l'œuvre est pré-approuvée. Donc c'est uniquement pour les besoins de la soutenance, pour qu'on puisse à présent la voir directement sur l'application. Mais de base, ça sera tous les mois certaines œuvres qui seront choisies d'être placées. Donc du coup, on va pouvoir passer sur l'application où Thomas va vous présenter comment celle-ci fonctionne. Merci Flavien. Donc passons à présent sur l'application que vous pouvez voir sur votre droite. Donc comme vous voyez sur l'application, une fois que nous arrivons sur l'application, nous sommes sur un écran qui s'appelle Autour de vous. Sur cet écran, nous avons l'ensemble des œuvres qui se trouvent autour de notre position. Bien sûr, nous avons sur cet écran présentement, car nous sommes connectés préalablement pour éviter de perdre trop de temps, mais bien sûr, il y a un système de connexion et d'inscription qui sont liés donc, avec les bases de données du site internet qui vous permet d'avoir un compte lié. Donc ici, je me suis connecté avec un compte différent du compte de Iliana, qui est un compte plutôt utilisateur. On va pouvoir observer justement les œuvres mises en ligne. Donc vous avez tout d'abord tout à gauche un onglet Explorer où vous avez une carte avec les différents lieux d'exposition à proximité, ce qui vous permet de voir quelles œuvres se trouvaient près de votre position. Un onglet Communauté où vous retrouvez les différents artistes, les collections d'œuvres d'art ou encore les actualités liées à l'application comme les annonces de dernière version ou bien les dernières œuvres de vos artistes préférés. Et donc nous revenons à la page principale qui est donc autour de vous. Ici nous pouvons voir l'œuvre que vient de poster Iliana, donc par le compte Agence Caetera, l'œuvre qui se prénomme E. Et donc on remarque la différence entre une œuvre qui est à proximité et une œuvre que l'on peut collecter. Ici on voit que l'œuvre Brachio est une œuvre qui est à proximité mais qu'on ne peut pas collecter. Elle est à 320 mètres, ce qui est plus que la distance tolérée. Donc on ne peut pas cliquer dessus, si je clique dessus rien ne se passe car il faut se rapprocher de cette œuvre pour la collecter. Contrairement à l'œuvre E qui indique voir, c'est-à-dire que je peux cliquer sur cette œuvre, ce qui va m'ouvrir donc la réalité augmentée pour visualiser cette œuvre. Alors bien sûr, le chargement est un peu long, car notre réalité augmentée utilise la détection de sol, contrairement aux réalités augmentées qui utilisent des marqueurs, donc la technologie est un peu plus avancée. Donc ici, le téléphone me demande de rechercher une surface plane, il vient d'en détecter une devant juste ici, et il me demande de toucher l'écran pour collecter l'œuvre, car en effet, nous avons décidé d'avoir une interaction avec l'utilisateur pour pas que l'œuvre soit collectée automatiquement, vraiment que l'utilisateur ait une action pour collecter cette œuvre. Je touche donc, et l'œuvre qu'a uploadé Iliana apparaît devant moi. Donc l'œuvre, bien sûr, il n'y a aucun marqueur, l'œuvre se place par rapport à la détection du sol, et donc je peux tout à fait tourner autour de cette œuvre, l'observer sous toutes les coutures, pour prendre la pleine mesure voilà, de cet objet 3D qui a été publié. Ensuite, une fois l'objet collecté, on voit que le message en dessous a changé. Il me dit que l'œuvre a été collectée et que je peux cliquer pour voir les détails de l'œuvre. Donc les détails de l'œuvre, cela concerne donc la description, le nom de l'œuvre ou encore les crédits associés. Je clique, la réalité augmentée se désactive et donc on voit la page détail de l'œuvre qui s'affiche à présent donc avec le nom de l'œuvre renseigné, la date de publication de cette œuvre et la description, les crédits complets, qui ont été renseignés aussi tout à l'heure par Iliana. On m'invite ensuite à voir mon musée et sur cette page, je vais pouvoir voir donc les œuvres que j'ai pu collecter. Donc ici, voilà, on voit que j'ai collecté cette œuvre et elle apparaît dans mon musée.
Enfin, nous avons l'onglet My Nostra tout à droite, qui renvoie vers le site internet Nostra, qui vous permet une gestion poussée de votre compte, notamment avec les fonctionnalités, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, de support technique, de gestion du compte aux modifications d'avatar ou encore les liens sociaux. Nous allons parler maintenant des aspects techniques, si vous voulez bien. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter ce schéma assez simple qui illustre bien la communication entre les différentes entités que sont le site web Nostra App, Nostra Web App, pardon, et l'application smartphone Nostra App. Donc, nous avons d'un côté le site web qui est à l'adresse my.nostra.app, qui est un site web notamment de gestion de données utilisateurs. C'est ici où l'utilisateur va pouvoir gérer ses données, changer son mot de passe, changer ses informations de compte, son avatar, et où les artistes vont bien sûr aussi pouvoir devenir artistes et uploader des œuvres. Également, on retrouve sur ce site tout l'aspect espace administration qui est également disponible et qui permet la modération des œuvres et des tickets support. Donc en changeant l'état des œuvres, par exemple, de l'état de pré-approuvé à l'état décliné ou d'autres, en laissant des petits messages pour les artistes afin de les informer via les notifications. De l'autre côté, nous avons l'application Nostra Android qui, elle, est davantage axée, comme vous venez de voir, sur la visualisation de ces œuvres-ci. Et donc ces deux plateformes communiquent grâce à ce petit nuage, qui est donc le serveur de base de données et de traitement, où l'on retrouve nos bases de données SQL et également nos scripts, nos différents scripts PHP qui permettent justement de communiquer avec ces bases de données. À présent, j'aimerais vous parler de quelques valeurs de l'agence Kaetera. En effet, nos produits, nous souhaitons que ce soit des environnements sécurisés. En effet, nos scripts PHP et nos codes sont très sécurisés de par plusieurs conditions, de par plusieurs vérifications des données envoyées, ce qui permet d'éviter toute tentative de piratage ou autre problème de ce type. Également, nos services communiquent via le protocole HTTPS, c'est-à-dire que vos données, quand elles sont envoyées, sont cryptées, ce qui garantit effectivement également la sécurité de celles-ci. Nous mettons aussi un point d'honneur sur le respect des droits d'auteur. Bien sûr, quand chaque œuvre est publiée, nous vérifions qu'elle respecte bien les droits d'auteur et qu'il ne s'agit pas d'une œuvre volée ou d'une œuvre qui appartient à quelqu'un d'autre. Aussi, via le support technique, un artiste ou un membre peut très bien signaler une œuvre qu'il a vue sur l'application qui, pour lui, ne respecte pas les droits d'auteur en envoyant un ticket de violation des droits d'auteur. Il suffira alors de remplir quelques cases, dont des liens prouvant qu'il s'agit d'une violation des droits d'auteur, et nous pourrons agir assez rapidement en retirant cette œuvre si besoin. Et en prenant des dispositions également sur l'utilisateur en lui envoyant un avertissement ou bien un bannissement. Enfin, votre vie privée est très importante pour nous. En effet, nous collectons les données uniquement dont nous avons besoin, notamment les géolocalisations. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'application, lorsque nous la démarrons, elle affiche les œuvres qui sont autour de vous. Eh bien, ces données de géolocalisation sont bien sûr envoyées au serveur pour vérifier dans la base de données, mais elles ne sont pas stockées, elles sont juste envoyées. Et nous ne récupérons pas ces données car elles nous servent juste à, justement, comme je le disais, à communiquer avec cette base de données. Nous n'avons aucune utilité de les garder. Encore une fois, vos informations telles que votre mot de passe, votre adresse email ou d'autres informations sensibles sont bien sûr enregistrées dans une base de données. Le mot de passe est notamment haché, ce qui permet une sécurité accrue. Et notamment, les bases de données sont sécurisées par notre hébergeur, ce qui implique aussi que vos vies privées est bien respectée. Je vais passer maintenant la parole à Elena qui va parler de la stratégie de communication. Donc, tout du long de la conception de notre projet, nous sommes efforcés de le promouvoir pour déjà toucher nos cibles, mais aussi réunir une petite communauté d'utilisateurs et donc du contenu pour prévoir la sortie de notre application. Pour cela, on a commencé par analyser nos cibles qui, après résultat, ont à 100% ont toutes l'usage de Facebook, Twitter et de Instagram. C'est pour ça que nous avons créé des réseaux sociaux sur ces trois médias. Nous avons créé un compte Facebook nommé Agence Kaetera, nous avons créé un compte Twitter @agence Kaetera et un compte Instagram agence Kaetera pour la simple et bonne raison que nous sommes une petite agence avec un seul projet et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur la promotion de celui-ci. Nous avons également mené des opérations de communication physique, notamment en distribuant des flyers, mais aussi en faisant de l'affichage sur des panneaux d'affichage libre, en distribuant des dépliants dans des maisons culturelles ou dans des musées, et en allant directement discuter avec des artistes concernés qui pourraient être intéressés par le projet et qui ont accepté de partager leurs œuvres. Je vais ensuite passer la parole à Manon. Vous savez dès à présent ce que nous avons fait.
Maintenant, je vais vous parler de ce que nous prévoyons de faire. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne l'ergonomie du site web, nous souhaitons faire en sorte que l'utilisateur puisse changer de thème, passer d'un thème sombre à un thème clair. Également, il y aura un système d'interaction entre les utilisateurs qui leur permettront d'aimer une œuvre d'art en 3D en cliquant sur un bouton. Et enfin, bien sûr, l'application sera disponible sur Google Play. Nous pouvons donc en conclure que l'espace urbain faisant partie de notre quotidien, nous désirons, grâce à Nostra, valoriser cet espace urbain en faisant en sorte qu'il ne soit plus simplement qu'un espace de passage ou de vie pour certains d'entre nous, mais également un lieu d'exposition accessible à tous et toutes et également accessible à tout moment. Nous pouvons donc affirmer que grâce à Nostra, ce n'est plus le spectateur qui va au musée, mais le musée qui vient à lui. Cela est possible grâce notamment à la réalité augmentée que nous utilisons et qui apporte une toute nouvelle expérience à l'utilisateur dans sa manière de découvrir l'art. Nous vous remercions de votre écoute et nous tenons également à remercier toute l'équipe enseignante de nous avoir suivis tout au long de ces 3 semestres. Et surtout, n'oubliez pas, avec Nostra, faites de notre réalité votre galerie. Bonjour à tous, bravo pour votre présentation qui était très claire et très réussie. Je trouve en fait que votre petite case pour que l'artiste dise s'il pense que son œuvre peut choquer, etc., c'est très malin. Je vous ferai juste une remarque pour le dossier, faites attention au vocabulaire que vous utilisez pour les artistes, etc. Toujours inapproprié, c'est toujours très compliqué, c'est très dangereux. Et les artistes sont des gens très susceptibles, qui peuvent être très pointilleux. Et si un mot ne leur plaît pas, vous avez une personne qui se braque. Parce que voilà, c'est un milieu qui est assez particulier, le monde de l'art. Mais vous avez dû vous en rendre compte en échangeant avec eux. Voilà. Donc voilà, après sinon je trouve que votre projet est très bon, félicitations à vous là-dessus. Et je dirais plus pour la fin, c'est pas forcément que le musée vient à la personne, c'est que plutôt la personne qui traverse le musée, puisque c'est au détour d'une promenade et donc quelque chose de normal qu'on va traverser au fur et à mesure, toujours ce côté-là. Voilà, en tout cas merci beaucoup et félicitations pour le travail que vous avez accompli. Très bien, votre soutenance était claire. Par rapport, donc juste sur la partie, c'était clair, c'était bien mené, tout le monde a parlé, c'était très bien. Thomas, qu'est-ce que, donc là je vois quand même qu'il y a pas mal d'améliorations par rapport à ce que vous nous avez présenté jeudi, enfin on s'en fait déjà pas mal jeudi. Est-ce que vous pouvez, donc on voit bien l'objet en 3D, allez-y, expliquez-moi. Parce qu'on n'avait pas pu faire l'affichage jeudi dernier en fait, on ne pouvait pas afficher l'objet, alors bon, il y a eu des soucis extérieurs. Comment vous avez contourné le problème? Oui, voilà, là, ça paraît un peu bien. D'accord. Parce que ça donne quand même, c'est un peu plus sympa comme ça que ce qu'on a vu jeudi. Jeudi, on a vu un cube translucide. Non, c'est très bien. Non, c'est bien. Ouais, je pense que vous avez fait le. Ça, vous avez fait d'autres choses ou pas ou... Ça, c'est fait. Enfin, c'est bien. Moi aussi, j'étais très convaincue par votre présentation. Bon, je l'avais déjà été quand j'avais vu votre dossier de presse à la fin du semestre. Voilà, je trouve qu'il y a une vraie problématique autour du projet, avec un peu l'esthétisation du quotidien, sortir un peu de la routine métro, boulot, dodo, avec le musée qui vient. Voilà. Donc, je n'ai rien de particulier à dire, juste que j'ai trouvé votre présentation très fluide et votre projet tout à fait convaincant. Thank you.
parle pas d'autre chose, je vous rassure. L'application sera disponible, donc elle le sera effectivement. Alors, je vais peut-être faire plusieurs questions, puis comme ça je vous passe le micro, sinon on ne vous entend pas. Donc, elle sera... La question après, ça sera quelles œuvres seront disponibles, si c'est bien le cas. Et j'avais cru voir évoqué par vous un événement, l'organisation d'un événement. C'est pas très clair dans le dossier s'il va vraiment être organisé ou pas. Donc, c'est sur ces points que j'aimerais que vous répondiez. Concernant la disponibilité de l'application sous Google Play, comme on l'évoquait, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des standards de sécurité et de vie privée assez importants. Et pour l'instant, l'application Unity fonctionne, mais ne convient pas à ces standards. Je trouve qu'il y a encore trop de failles possibles. Donc je préfère vraiment finaliser cette application avant de pouvoir la soumettre à Google Play. Voilà, après pour cette question, je... Donc, pour les œuvres qu'on compte afficher, on a déjà pris contact avec pas mal d'artistes, que ce soit via LinkedIn ou à travers des écoles ou avec déjà des professionnels qui travaillent dans la 3D. Notamment, on a pris contact avec quelqu'un qui travaille chez Unity et qui fait les graphismes du jeu. Et cette personne est très intéressée par le projet, elle avait plus des questions sur l'aspect technique. Et elle a dit qu'elle serait très heureuse qu'on revienne vers elle pour en parler à ses collègues dès que celui-ci serait finalisé. Et on a eu beaucoup de réponses de ce genre. Et par contre, on a réussi à collecter pas mal d'œuvres de la part d'étudiants et de quelques professionnels, bah, toujours via LinkedIn, qui sont très supportifs de notre démarche. Pas supportifs, support... Ouais, pardon. Oui, très encourageant. Ma faute. Ensuite, par rapport à l'événement, on voulait faire un événement une fois que l'application serait terminée. Là, c'est loin d'être le cas, donc pour le moment, c'est pas trop possible. Mais si Thomas trouve le moment de débloquer certains bugs, on compte toujours réunir les artistes pour les inviter à voir ce que ça donne et vraiment voir leur réalisation. Merci. Il y avait toujours cette question du mélange des œuvres qu'on avait posée en décembre, le fait de mélanger des œuvres, le cas échéant, d'amateurs et des œuvres d'artistes reconnus. Je ne sais pas si ça a été résolu. Si vous avez fait un choix à cet égard. Pareil, je pose deux questions comme ça je vous passe. Ce que j'ai compris, c'est sur un lieu donné que vous aviez repéré, il y avait une seule œuvre à la fois qui pouvait être affichée. Ce qui veut dire que s'il y a plusieurs artistes qui choisissent le même lieu, il y a une succession, c'est ça que j'ai compris, une succession chronologique. Donc j'aimerais savoir si c'est bien ça, comment ça se passe, quelle est la rotation, pourquoi avoir fait ce choix et pas mettre trois œuvres à côté. Après tout, ça se fait dans des espaces d'exposition. Donc c'est sur ces deux points que j'aimerais quelques précisions supplémentaires. Donc pour répondre à la dernière question avant, on a choisi d'abord de faire ce choix parce que des œuvres peuvent se parasiter l'une l'autre. Donc si on place par exemple quelque chose qui... L'artiste a pensé l'œuvre pour son contexte en se disant « je le veux à tel endroit », c'est plus compliqué si à côté on lui place une œuvre qui vient complètement casser le ton qu'il aurait voulu. Et pour la question d'avant... Oui, le déroulement, pardon, on a prévu de faire une sélection mensuelle des œuvres. Donc, cette sélection serait faite par une équipe d'experts, comme on l'a dit dans le dossier. Et si on a choisi de le faire comme ça, c'est pour toujours cette question de succession. Mais on ne s'est pas encore décidé si ce serait une succession chronologique ou si... C'est que chaque lieu, en fait, dans la base de données, a aussi un champ qui lui est réservé, qui indique le temps que le temps que le lieu peut être occupé. C'est-à-dire, par exemple, on dit bah, tel lieu, et c'est maximum une semaine, donc l'artiste va pouvoir exposer qu'une semaine. Et ensuite, ça sera un autre artiste exposé à la place. Donc ça revient un peu à cette problématique, cette question. Merci. J'apprécie la réflexion que vous avez, indépendamment de la qualité du projet. Je pourrais vous faire des reproches, et je veux Madame Dast aussi, parce qu'on touche à nos domaines, qui sont des domaines de recherche. Et donc on a des questions plus poussées pour vos problématiques peut-être que pour d'autres. Donc votre problématique est bien, je soulignerai simplement que dans le dossier vous répondez à une autre question, qui est le fait de rendre l'art moins chronophage. La question que vous avez à l'heure actuelle est plus intéressante. Il aurait été bien à ce moment-là d'actualiser la veille, puisque ça pose des questions justement, il y a toute une réflexion actuelle sur la façon
d'amener le musée, de changer le rapport au musée. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être amenées. Et là, vous avez un décalage par rapport à la problématique à laquelle vous aboutissez, qui est plus fine, plus pertinente, et la veille que vous aviez faite l'an dernier. Et là, vous n'avez pas accordé les deux. Mais petit reproche, au sens où on sent dans tout votre travail une réflexion sur des questions qui demandent de la subtilité d'esprit, de la finesse. Et petit à petit, vous la développez, cette finesse, alors que vous n'êtes quand même pas bien vieux. Et c'est tout à fait appréciable. Donc j'apprécie de voir à la fois le résultat et la façon dont vous le menez. C'est-à-dire pas à courte vue. J'ai vu beaucoup de projets sur l'art. Vous, ça vous amène à une réflexion qui est fine, qui prend peu à peu de la profondeur. C'est très satisfaisant de vous voir avec vos esprits en construction. Donc je vous remercie. Hello. Thank you very much for your presentation. I have one question. I'm not sure I understood the system of the 3D art. So you use geolocation. The art piece is already on a given spot, or the user can put it anywhere. How does it work? What's the first? As we can see on the submission form, we have a part where the artist can choose the place where he wants to expose, to exhibit. Okay. So he uploads his 3D object, and then he chooses the place. So the object don't really belong to the place, but the artist chooses. So technically, can the art piece be of any size, and can it be, for example, on a skyscraper or in the sky? Let's imagine it's a zeppelin. Could it be in the sky, or does it have to, to start on the floor? And does it have given size, for example? We have not limited size for the art piece, but mm-hmm. on the step two, you choose the size. You have a small, medium, and big. And in the app, we develop a technology that put the art piece in a cube that is one by one. So all art piece are the same size. They are compartments. They always appear first in the cube. No. The cube is there, but it's transparent. Okay. That's just for the coding stuff. Également pour cette présentation. Alors, elle est bien, j'ai trouvé un tout petit peu classique. Finalement, en décembre, on vous demande d'être assez classique, assez scolaire, et pour la séance publique, on vous demande de faire un peu plus le show. Donc, c'est pas facile, mais j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus original. Les œuvres peuvent être en état pré-approuvé, puis approuvé, c'est bien cela. Et je vais finir ma question parce que j'aimerais bien que tu nous montres un petit peu comment ça marche côté administrateur, comment on peut approuver. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va se connecter avec un compte administrateur sur mynostra.a. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'ai également accompli depuis la séquence technique où j'ai pu finaliser justement toute la partie aussi administration. Donc nous allons nous déconnecter de ce compte et nous connecter sur le compte administrateur. Donc là, comme vous voyez, il y a le menu espace administration qui est apparu. Et donc j'ai le choix donc, d'administration des requêtes, comme je vous avais montré, et également modération des œuvres. Et donc j'ai ici toutes les œuvres avec leurs états. Et donc sélectionnons par exemple l'œuvre qui a été mise en ligne tout à l'heure. Donc là, par défaut, c'est l'état pré-approuvé. C'est-à-dire c'est un état que j'ai créé qui permet en fait de voir quand même l'œuvre dans l'application, même si elle n'a pas été vraiment approuvée. Mais cet état est voué à disparaître. À la place, on aura l'état donc, en attente, qui correspondra à l'état donc, classique où la commission doit encore donner son avis dessus.
Et donc sur la page de modération du NUB, donc on a l'état en haut. Donc ensuite on a tous les champs remplis par l'utilisateur, le lieu. Effectivement, en guise d'amélioration, on pourra ajouter après une carte ou une photo qui illustre également le lieu pour avoir un meilleur aperçu. Et donc après la partie administration, donc à propos du membre, pour savoir un peu qui est ce membre. Et ici, donc modifier l'état. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir choisir en fait l'état de cette œuvre et le modifier directement. Donc préapprouver, décliner, exposer ou supprimer. Et donc l'utilisateur reçoit une notification quand ceci est changé comme pour le support. Supprimer, ça supprime entièrement la base de données. Alors non, supprimer, c'est comme pour la plupart des sites, ça change juste en fait le statut de l'œuvre, ce qui fait que quand, dans les requêtes après, elle est plus récupérée, mais elle est toujours dans la base de données. Mais les utilisateurs peuvent bien sûr demander via le support d'avoir une suppression complète de leurs données utilisateurs, comme la RGPD l'oblige. Le commentaire de Monsieur Briquet, donc l'enseignant de droit. Le concept aurait dû être développé, il me semble, en introduction, et j'ai trouvé que la transition entre propriété intellectuelle et données personnelles aurait dû être plus travaillée, mais dans l'ensemble, le sujet est bien maîtrisé, tant en termes de forme que de fond, notamment avec l'INPI. En outre, les références au RGPD sont bien maîtrisées. J'ai bien apprécié votre travail. Alors, moi, je pose aussi en mon nom une dernière question. C'est dans le musée virtuel, tout apparaît. On voit des cubes correspondant aux différentes œuvres. Après, il faut qu'on peut cliquer dessus, avoir les détails, l'aperçu. Il n'y aurait pas moyen d'avoir autre chose que ces cubes, d'avoir déjà une prévisualisation d'une image statique qui correspond à l'œuvre ou... Parce que la première vue qu'on a de notre musée, finalement, c'est un ensemble de cubes. Alors effectivement, oui, ça reprend un peu le concept de autour de vous. Donc autour de vous, effectivement, c'est un choix d'avoir des cubes pour ne pas montrer l'œuvre, sachant qu'elle doit être collectée, donc qu'il y a une démarche de l'utilisateur d'aller découvrir. Et par contre, effectivement, dans mon musée, c'est l'une des améliorations prévues d'avoir justement cette image de l'œuvre dans son environnement à la place de ce cube, effectivement. Parce que là, ça ne justifie pas qu'il y ait un cube, je suis d'accord. Alors, encore une fois, bravo. J'avais l'occasion de vous le dire déjà la semaine dernière au cours de la soutenance technique. C'est un très beau projet, c'est un projet réussi qui vous est allé jusqu'au bout. Il manque juste des petits détails et puis des évolutions envisageables, parce qu'on peut envisager mille choses encore par rapport à ce projet vraiment intéressant. Il y a un point que je n'ai pas tellement compris que soulevait Mme Rialan. Vous avez restreint à une seule œuvre à la fois. Et vous justifiez ça par un choix personnel ou est-ce que c'était une contrainte technique ? C'est un choix par rapport à l'artiste. Je vais prendre le micro. C'est un choix par rapport à l'artiste, tout simplement parce que les artistes ont différents styles. Les modélisations peuvent être très différentes de l'une à l'autre, et si on ne restreignait pas, il y a quelqu'un qui pourrait poster, par exemple, moi j'ai soumis un dinosaure. Et si on met un dinosaure à côté d'un être humain, ça n'a pas le même sens que si le dinosaure était tout seul dans le lieu ou si l'être humain était tout seul dans le lieu. Dans le musée virtuel, dans le salon. Ah oui, oui. Oui, ça c'est totalement possible. Mais c'est vraiment sur la liste de lieux d'exposition. La taille de l'œuvre est modifiée par l'artiste, ça vous l'avez ajouté par rapport à la semaine dernière, si j'ai bien compris. La modification de la taille de l'œuvre. Hein, en fait, j'ai mis ma question. Est-ce que si finalement, moi artiste, je décide que finalement je préférais qu'elle soit plus petite, je modifie ce statut, est-ce que c'est pris en compte dans la visualisation des terrieux ? Alors effectivement, pour ça, le souci, si je puis dire, qu'on a eu, c'est qu'on importe en fait les modèles 3D pendant que Unity tourne en runtime, comme on dit en anglais. Et donc pour ça on a un plugin spécifique, et sachant que quand on importe en fait un objet 3D de cette façon là, sa taille est complètement aléatoire, c'est à dire que si l'artiste l'a fait très grand, ça peut apparaître très grand, donc il fallait en fait normaliser tout cela. Et donc pour cela en fait j'ai utilisé une technique qui a, comme je disais à Madame Lepage en anglais tout à l'heure, un petit cube de 1m sur 1m en 3D mais avec des shaders transparents, donc on ne le voit pas. Et le code en fait va chercher à prendre l'objet 3D qui a été importé et à le faire rentrer en fait dans les limites, dans le bound du cube, de façon en fait à uniformiser cette taille. Et ensuite, comme on a vu tout à l'heure, on peut choisir parmi trois tailles, donc il y a petit, grand et moyen, et en fait dans ce cas là ça va être la taille du cube qui va être modifiée, sachant que l'objet importé est l'enfant de ce cube, ça va modifier aussi la taille de cet objet.
Donc en fait, effectivement, la taille est normalisée, mais si l'artiste modifie son fichier 3D, ça ne va rien changer par rapport à la visualisation. Très bien. Un dernier point qui est un point mineur, mais qui concerne la charte sonore. Alors effectivement, vous dites que dans votre application, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son. Peut-être que vous avez mis des clics avec des sons, bon, c'est du détail, peut-être, je ne sais pas. Par contre, dans votre vidéo de présentation de projet, il y a bien de la musique. Là, vous n'en parlez pas dans votre charte sonore. Les musiques et sons qu'on a dans les vidéos, ça a été géré par Luc au Canada, qui a utilisé des sons libres de droit. Et ce son, c'est également c'est des animations, sons de fond, qu'on retrouve sur les autres vidéos qu'on a également pu publier sur les réseaux sociaux. Donc ça fait toujours une cohérence et c'est vraiment, on va pas dire un hymne qui a été là, mais bon. C'est surtout aussi que la vidéo qu'on en a vue, la deuxième, donc pas celle de Luc, elle a été finalisée après que le dossier de réalisation soit fini. Enfin, elle a été finie après. Donc la musique, c'est ce que je fais en dernier, dans le montage. Du coup, forcément, elle n'est pas censée dedans. Mais sinon, de base, oui, c'est la vidéo, il y a de la musique. Mais sinon, voilà, ne retournons pas ça. C'est un très bon projet, c'est un projet réussi. Donc je vous félicite encore une fois. Oui, j'aime beaucoup le projet, ça fonctionne bien. Quelques petites questions. On a parlé pendant l'année l'agrément que donne le volume, la perspective, les plans, la lumière, les ombres. Donc là, nous avons une réalité virtuelle en 3D, d'une part, et une réalité vidéo filmée. Et la connexion entre les deux se fait au niveau du sol, et il n'y a pas d'ombre. Donc ce personnage en 3D, il ne se connecte pas bien. Alors première question, c'est serait-il possible, peut-être que c'est impossible, mais avez-vous appréhendé cette amélioration de créer une ombre? Et l'autre question que je me pose, c'est là vous maîtrisez l'environnement dans lequel s'affiche l'œuvre. Si c'est dans une place où il y a des gens qui passent, que se passe-t-il si une personne traverse la modélisation? Est-ce qu'elle passe au travers? Est-ce qu'elle le fait bugger? Je ne sais pas ce qui... Ça m'intéresse de savoir, parce que ça pourrait créer plein de jeux ou plein de... La connaissance du phénomène d'interaction peut générer des choses amusantes ou surprenantes ou... Alors, donc, concernant l'ombre des œuvres, effectivement, c'est un point dont j'ai effectué plusieurs recherches au semestre 3 quand je recherchais plusieurs choses justement sur le développement. Et il faut savoir que la technologie n'est pas assez avancée pour ce genre de choses. Il y a certains smartphones qui ont des capteurs qui permettent de savoir d'où vient la lumière, qui peuvent après être récupérés au niveau des données, mais c'est quand même quelque chose de très complexe et de très peu mis en place. Mais effectivement, c'est dans le futur de la réalité augmentée, de plus en plus ça se met en place, parce que ça permet une connexion, comme vous dites. Oui, mais après, comment vous géreriez la différence des tailles, par exemple, si c'est un cube, si c'est un cylindre? Voilà, c'est effectivement, on pourrait peut-être essayer de trouver quelque chose, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très compliqué techniquement, l'ombre. Et ensuite, concernant les interactions, oui, tout à fait. C'est quelque chose, encore une fois, que cette technologie-là, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être des moyens en ajoutant peut-être des... Alors là, oui, qu'on teste, mais en fait, le plan reste détecté, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire, soit la personne passe vraiment devant l'appareil, et donc on ne verra plus l'œuvre, soit elle passe derrière, et l'œuvre, en fait, la couvre. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Voilà. Ouais, bah Jean-Marie m'a volé ma question. Je voulais vous demander s'il n'existe pas un petit shader pour faire une petite ombre. Et la question se pose aussi par ailleurs pour des œuvres qui seraient un peu grandes, de l'intégration dans leur environnement, puisque l'environnement a une importance du coup. Comment est-ce que vous faites porter une ombre de bâtiment? Voilà, c'est plus compliqué évidemment, mais ça a son importance. Et c'est vrai qu'en 3D, ça fait partie des choses difficiles. C'est casse-pied. Ouais. Sinon, c'est super projet. Moi, je suis très fan d'art et de 3D. Donc, forcément, je suis très impressionné par ce que vous avez fait. Je trouve que l'idée est vraiment géniale. Poussable beaucoup plus loin, avec notamment la notion non plus d'objet, mais de scène. Quand on parle d'une scène 3D, donc voilà, il y a de la réalité en 360 degrés, beaucoup de plus en plus, là, sur Arte, un peu partout. Vous avez un champ immense devant vous, là, si vous voulez continuer individuellement ou en groupe. Bravo, super boulot. Bravo.
merci à vous. Merci Luc. Alors, voilà.
jamais vu en LMI. Au départ, elles étaient deux, Technovateur et Okumu. Deux agences en compétition sur un même projet, le Festival MMI. Mais l'amour fut plus fort que la peine. On accueille alors l'agence B1 sur scène. Nous vous prions d'accueillir les chefs de projet, Denis Constant. Les développeurs, Guillaume Arando. Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir, nous sommes l'agence B1, donc une grande agence pour un grand projet, le Festival MMI 2019. Alors, qu'est-ce que le Festival MMI ? Pour ceux qui ne le savent pas, le Festival MMI est une compétition qui se déroule chaque année. Elle se déroule chaque année et elle a pour but, elle permet aux étudiants de présenter les travaux qu'ils ont réalisés pendant leur année scolaire ou à titre personnel, et ce, dans différentes catégories. Donc cette année, les étudiants vont pouvoir concourir dans 6 catégories, donc le web, l'audiovisuel, l'animation, l'infographie, la communication et le multimédia. Pour participer à ce festival, c'est très simple, les étudiants vont devoir déposer leurs travaux sur une plateforme en ligne. Un jury composé de spécialistes va faire une présélection des 3 œuvres qu'ils préfèrent dans chaque catégorie. Et à l'issue de cela, les 3 œuvres seront présentées lors de la cérémonie de remise des prix du festival qui aura lieu le 6 juin 2019 dans un amphithéâtre de l'INSTN à Sacré. En plus des 6 catégories présentées, un prix spécial pour le son ainsi qu'un prix du public seront décernés. Bien évidemment, un seul projet sera élu gagnant dans une catégorie. Maintenant, je vais vous parler de la problématique sur laquelle nous nous sommes axés. En quoi un événement tel que le Festival MMI peut-il avoir un impact sur une formation pédagogique ? Donc du coup, on va vous présenter un peu le projet sur lequel on a travaillé toute l'année, sur 5 différentes parties. Donc, au début, on va vous parler en fait, de l'avant-festival, enfin de l'avant-cérémonie. Donc des graphismes de l'agence et plus particulièrement du projet. Ensuite, on va s'attaquer au site du festival qui a été une grosse partie de notre phase de réalisation. Ensuite, on va parler de la communication donc de l'agence et du projet du festival MMI. Ensuite, nous allons vous présenter la cérémonie, son scénario et son interactivité avec ses capteurs puisque c'est une cérémonie interactive grâce à la création de plusieurs capteurs. So let's go to see about the graphics. We went with 2 agencies merging together, so both Technovateur and Okumu agencies. We needed either to find a solution to either mix both messages, strong points of both agencies to create an identity that is still reminding us of the old ones, or go with a brand new identity. So this is what we went with. So we went with the first proposals, thus logos that are simple, much readable, and quite circular. So we did use circular shapes to send a positive vibe, positive message, and something that represents unity, since we did merge both agencies once again. Then we did go with the second proposals,
which are much more vibrant in terms of colors and much more complex and structured. So these are, we did use gradients for all of them, and we did play with negative space on a few of them. And you can see the colors are much more vibrant. This is to send, again, a much more positive and youthful message. So that's it. And for the logo that we did retain, finally, it is this logo, as you know. It is much more, we have chosen vibrant colors as once again, and we did use gradients. This is especially a logo that we played with negative space. As you can see, it's quite subtle, but the B is printed on the O, so for B1, and the typo is quite clear and simple once again. So next I'll be talking about the festival's graphic charter. So we really had many inspirations, especially coming from the idea that the festival would take place in Versailles department. So we really were attracted to the statues and the monuments from the classical period. But the B1 agency really wanted to make the 19th edition special. So the challenge here was to mix the old with a touch of modernity and create something original and unexpected. So here are some examples based on the graphic charter. So on the right we have the cover of the festival's Facebook page, and on the left we have the festival's poster, which we all have on our t-shirts. Before heading over to the programmers, we really wanted to highlight the festival's logo, whose shape really reminds us of the elegance of the classical period. And we also made other definitions so that we can adapt to different layouts and different formats. So, furthermore, we also collaborated with the communication managers for every graphic designs on the social media, such as Facebook and Instagram. Oh, je ne sais pas si vous avez tous bien compris. On ne sait jamais. Faisons la suite en français. À propos du site, chaque année le design du site est mis à jour, mais cette année nous avons voulu le refaire entièrement. Donc avec l'aide de Jean-Christophe Rabot, le chef du département MMI de l'UIT de Laval, nous avons pris les choses en main. Nous avons codé le site en HTML, CSS, PHP et JavaScript. Les parties importantes de ce site sont l'inscription, la connexion, la récupération de mot de passe, la partie profil, ainsi qu'une partie dépôt d'une œuvre. Le graphisme du site du festival a été réalisé en collaboration avec les graphismes, avec les graphistes qui nous ont fourni les logos, les images présentes sur le site. Et il a été également réalisé en accord avec la charte graphique du festival, donc notamment les couleurs, les dégradés et les polices d'écriture présentes sur le site. L'interface a été pensée en responsive, notamment en utilisant les media queries du CSS. Cette interface permet un accès multiplateforme pour aider les étudiants à accéder au site, notamment certaines personnes qui voudraient déposer une œuvre, qui voudraient y accéder sur leur ordinateur, ou certaines personnes qui n'auraient pas accès à un ordinateur pour pouvoir y accéder depuis leur téléphone, par exemple. Et enfin, on a réfléchi à une ergonomie de site qui guide en fait les utilisateurs vers les pages les plus importantes du site et qui les aide à comprendre l'utilisation de ces pages importantes. Donc pour la partie réseau, nous avons dû héberger notre site d'agence sur une VM hébergée sur les serveurs de l'IT. Pour cela, nous avons mis en place un serveur web à l'aide des packages Apache 2 et PHP. Et nous avons effectué des modifications sur le document de route du document de configuration, autorisé les connexions extérieures en HTTP, HTTPS et modifié l'adresse IP en mode manuel. Pour le site du festival, nous avons dû nous charger de deux versions du site. Une version du site qui est active, celle où les étudiants vont pour postuler et qui est hébergée par OVH. Cet hébergement est d'ailleurs
et d'ailleurs pris en charge par Jean-Claude Abbeau. Et la deuxième version du site est en fait une copie que nous avons dû réaliser pour respecter le doc de cadrage qui nous demandait d'héberger notre service sur les serveurs de l'UD. Donc pour cela, nous avons simplement créé une copie de la première VM que nous avions utilisée pour le site d'agence. Nous avons ajouté à cela les packages MariaDB, support MySQL et PHP MyAdmin afin de pouvoir prendre en charge une base de données. Et nous avons tout simplement transféré les tables SQL et les fichiers du site tout en modifiant certains liens afin que le site fonctionne parfaitement. Après des mois et des mois de travail, de galère, le site est enfin en ligne. Ça mériterait bien une petite démo. Donc le visiteur, en arrivant sur le site, s'étant au préalable inscrit, recevra par mail un mot de passe. Une fois ce mot de passe récupéré, il peut alors se connecter à l'aide de son mail et du mot de passe fourni dans le mail. Une fois l'utilisateur connecté, il a alors accès à la page déposer œuvre qui va le mener vers le règlement lié au dépôt de l'œuvre. Il doit confirmer ensuite la lecture de chaque page afin de pouvoir enchaîner. L'utilisateur arrive alors sur le formulaire de dépôt où il peut choisir la catégorie dans laquelle il veut participer. Les critères liés à cette catégorie sont alors affichés. L'utilisateur doit ensuite rentrer les informations correspondantes à son œuvre. Donc la date de réalisation, le type si l'œuvre a été réalisée en individuel ou en groupe, les techniques. Il y a également le titre de l'œuvre à renseigner, le numéro de téléphone, les crédits, le contexte de réalisation. Comme on peut le voir ici, si on ne remplit pas un des champs, on ne peut pas poster l'œuvre. Pour l'œuvre ici, nous n'avons malheureusement pas le lien vers le dossier OneDrive. Nous allons donc mettre un lien fictif. Et une fois toutes les informations rentrées, l'utilisateur fera alors valider le dépôt de son œuvre. Sur la suite.
Lorsqu'un étudiant dépose une œuvre, un mail est envoyé au chef de département de son département. Il a alors accès à un espace qui lui est dédié pour consulter l'œuvre et la valider ou non. Lorsqu'une œuvre est validée, elle apparaît automatiquement sur la page compétition du site. Avant d'être présentée au jury, il y aura une présélection des œuvres. Lorsqu'une œuvre sera nominée, elle apparaîtra nominée par le jury, elle apparaîtra sur la page nommée du site festival. Et à la suite de la cérémonie du site Festival Emmy, les œuvres récompensées apparaîtront sur la page palmarès du site festival. Ah oui, sacré travail. Mais le projet est un événement national. Il a donc bien fallu en faire la promo. Alors maintenant, nous allons passer à la partie communication. Donc ça a été une partie très importante du projet. Elle s'est déroulée en deux temps. Tout d'abord, la partie communication de l'agence et ensuite celle du projet. Alors, concernant l'agence, notre cible principale était une personne externe à la formation. Donc c'était pour les intéresser à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément, comme les projets tutorés. Et en cible secondaire, nous avions les étudiants MMI qui, bien évidemment, ont toute leur place pour participer à ce projet. De cela découlent trois objectifs de communication. Donc c'était les suivants. Informer sur l'avancée du projet, sur la vie de l'agence, faire découvrir la formation aux personnes externes, et les pages de notre agence ont été des vitrines pour le festival. Donc, nous avons beaucoup joué notre communication sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, où les contenus diffèrent un peu. Donc, par exemple, suivant notre stratégie de communication, nous avons publié différents posts. Sur Facebook, vous avez pu voir les créations des étudiants en MMI. Et sur Instagram, des posts sur la vie de l'agence, donc par exemple la présentation des membres par pôle. Alors, abordons maintenant la stratégie de communication du projet. Donc elle est articulée autour de trois objectifs qui sont les suivants. Créer un intérêt pour le festival, convertir les étudiants en participants et entretenir l'actualité du festival. Nous avons dans notre campagne cerné deux cibles principales qui sont les étudiants et les professeurs. Et pour ce qui est du message, nous avons souhaité délivrer un message informatif envers le festival MMI, mais aussi porteur d'ambition afin que les étudiants aient envie de participer au festival. Donc pour cela, nous avons communiqué sur divers supports, mais en grande partie sur le web, étant donné que le public que nous visons se trouve très présent d'abord. Donc nous avons créé des pages Facebook et Instagram. Nous avons mis davantage en avant notre présence sur Facebook, étant donné que les projets scolaires ont tendance à plus toucher les étudiants sur ce réseau-là. Donc nous y diffusons des informations mêlées à différents types de contenus multimédia afin de rendre le contenu plus divertissant. Pour ce qui est d'Instagram, nous relions aussi des informations, mais nous avons opté pour une ligne visuellement plus harmonique. Une ligne plus harmonique pour, contrairement à Facebook, le flux est très diversifié. Donc pour en revenir à Facebook, nous avons effectué deux vagues de communication. La première vague était une vague plus de teasing, qui était là plus pour susciter la curiosité, pour donner envie à l'étudiant de s'intéresser au festival MMI. Et une fois que le site fut ouvert, nous avons commencé la deuxième phase de communication qui était plus intense, avec plus de contenu concret, avec des informations plus concrètes afin d'informer par rapport au festival. Et nous continuerons donc cette phase jusqu'à la fin de la cérémonie. En analysant les résultats, on a pu voir que la popularité de la page avait augmenté à partir de la seconde phase. C'est pour cela que nous continuerons cette phase jusqu'à la cérémonie. Nous avons également communiqué sur des supports print, donc comme vous voyez ici les flyers, et également des affiches afin d'inciter en interne les étudiants MMI à participer. Nous avons également établi un communiqué de presse afin de le faire parvenir aux médias. J'espère que vous êtes toujours là, à l'écoute, et que vous avez envie de participer au Festival MMI 2019. En attendant, leur histoire n'est pas finie. La cérémonie est une partie importante de leur projet qui mérite, elle aussi, d'être racontée.
maintenant, nous allons passer à la cérémonie en elle-même. Donc, l'idée de venir rythmer la cérémonie à l'aide d'un scénario est venue très vite. Il nous a donc fallu trouver un scénario et un fil conducteur à mettre en scène afin d'interagir avec le public et d'introduire chaque catégorie. Après de multiples modifications, nous avons trouvé donc ce fil conducteur qui répondait à ces deux objectifs. Nous retrouvons alors un ancien étudiant de MMI racontant son expérience dans cette formation. Ces anecdotes, l'histoire de ses premiers cours viennent donc introduire ces différentes catégories. Ce scénario se veut aussi interactif par le biais de capteurs où le public influencera directement le scénario, notamment en pouvant choisir son déroulement tel une fiction interactive. Le scénario se compose de 9 séquences, donc une séquence d'introduction pour poser le contexte, une séquence où l'étudiant va raconter son premier cours de programmation, son premier cours d'audiovisuel, une séquence où il montrera ses talents en graphisme, ses talents de musicien, 3 séquences où il se questionnera sur les aspects de MMI, notamment la communication, l'animation et le multimédia. Et enfin, ce scénario se finit par une séquence de conclusion. Chaque séquence se finissant par la remise du prix. Donc pour ce scénario, et afin de le rendre plus dynamique, nous avons fait une alternance entre voix off de l'acteur et sa voix en direct. La voix off permet à l'étudiant de raconter donc son histoire en MMI, et la voix directement au public permet d'avoir une interaction plus forte avec lui. Nous avons aussi utilisé des vidéos que nous avons tournées en amont, car celles-ci nécessitaient l'utilisation de logiciels comme After Effects. Ainsi, ces deux éléments pourront davantage donner de la dynamique au scénario et avoir un jeu avec le public. Le son. Donc pour ce qui est du son, le son va être très important dans la cérémonie, tout simplement parce que la bande-son est un élément clé dans la structuration d'une histoire et d'un scénario. Donc pour le son de la cérémonie, on peut distinguer 3 pôles sonores principaux. Il y aura premièrement les voix, donc les voix de l'acteur présent sur scène et la voix du narrateur, donc la voix off. Et ces voix ne devront pas être étouffées ou cachées par les autres sons. Il y aura également des bruitages qui, eux, seront là pour rendre plus crédibles les scènes et pour rendre plus crédibles les scènes et plus animées. Et il y aura également les musiques, donc les musiques seront très importantes elles aussi, parce que c'est elles qui permettront de transmettre les différentes émotions et les sensations que va ressentir l'acteur durant le scénario. Et en fait, pour ne pas sortir du thème, de notre thème qui est le néoclassicisme, on va mélanger la musique classique et la musique moderne, donc la musique électronique. C'est quelque chose de très intéressant parce que la musique classique possède, c'est une époque très intéressante avec des instruments très mélodieux, comme par exemple le piano ou le violon. Et pour ce qui est de la musique moderne, la musique électronique, elle exprime vraiment cette idée de modernité qu'on veut faire transmettre à travers le festival. Et donc ces musiques-là vont être soit prises sur internet, donc des musiques libres de droit, mais également des musiques créées par des étudiants de MMI de deuxième année qui ont fait l'option création sonore et qui ont la gentillesse de nous créer des musiques spécialement pour la cérémonie. Et on va vous faire écouter le thème principal justement tout à l'heure de la cérémonie. Donc durant la cérémonie, nous avons l'intention d'utiliser des capteurs. Donc ces capteurs sont en fait des outils dont nous servirons pour faire communiquer le public avec, à faire interagir le public avec le redoublement de l'intrigue. Donc nous utilisons ces capteurs pour 3 raisons. Donc, la première, comme je viens de dire, c'est pour permettre au public d'avoir une interaction directe avec le déroulement de la cérémonie. Ça va être une forme de fiction interactive. Créer ce genre d'interaction permet d'avoir... d'offrir au public une plus grande immersion qu'un spectacle où tout se déroule sans que le public n'ait rien à y redire. Deuxième point, utiliser ces capteurs était une bonne occasion de concilier un aspect technique très pointu. Donc ici, c'est la captation des actions d'une salle de spectacle avec un aspect esthétique qui lui a pour but de faire comprendre au public, de rendre des programmes que nous utilisons attractifs pour que
que le public puisse comprendre qu'il a vraiment une influence sur ce qui se déroule dans la cérémonie, sur ce qu'il voit, sur ce auquel il assiste. Ensuite, c'était une occasion également de créer. Tous les programmes ont été réalisés avec le logiciel Pure Data. Pure Data est un logiciel qui est enseigné en MMI. Donc ainsi, on crée une cohérence logique entre la formation et la cérémonie, le festival. Présenter les MMI. Enfin, nous utilisons trois types de capteurs différents. Donc nous avons fait un capteur de mouvement, nous avons démontré incessamment tout peu. Un capteur de lumière qui fonctionne lui aussi avec une caméra qui a pour but de capter des lumières blanches des lampes de téléphone portable. Et enfin un capteur de son qui lui a pour but d'enregistrer le bruit que va produire le public à certains moments du scénario pour que ce bruit soit aussi utilisé dans Pure Data. Donc je vais passer la main à Guillaume qui va vous expliquer les difficultés techniques que nous avons rencontrées. Comme Florent l'a souligné, comme dans tout projet, on a des difficultés. Donc là, c'est les difficultés rencontrées au niveau des capteurs. Donc on a eu des problèmes logistiques et matériels. Donc c'est surtout au niveau des tests. Donc on avait les capteurs, ils étaient déjà programmés, mais les conditions dans lesquelles nous avons pu les tester n'étaient pas optimales. C'était des histoires de droits et compagnie. Au niveau matériel, c'est surtout au niveau du capteur de mouvement et du capteur de lumière. On était censé utiliser une caméra haute définition, mais les commandes se sont mal passées et donc on a dû faire avec le matériel qui était déjà fourni par l'UT. Au niveau de la coopération entre les pôles, là ça se situe surtout avec le pôle graphisme, parce que nous les capteurs étaient déjà programmés, on était en phase de test et pour que les capteurs soient plus agréables à tester pour le public, il nous fallait des graphismes agréables à regarder. Et c'est à cette période-là que le pôle graphisme justement a eu énormément de travail au niveau des affiches et le pôle communication avait besoin d'eux aussi. Donc il y a eu des attentes à ce niveau-là. Et donc les modifications d'éléments clés du scénario, les capteurs étaient faits en fonction du scénario. Et le scénario ayant beaucoup changé, les capteurs qui devaient s'adapter en fonction du scénario, chaque petit changement du scénario faisait radicalement changer la programmation initiale du capteur. Et donc, comme l'a dit mon collègue, pour illustrer les capteurs, les graphistes ont fait du coup des graphismes reprenant la charte graphique de la cérémonie, avec des couleurs dorées et un peu oniriques. Donc voilà, c'est histoire de faire comprendre à quoi sert le capteur et de l'illustrer. Donc un graphisme pour le son, un graphisme pour le capteur de mouvement et un graphisme pour le capteur de lumière. L'histoire de B1 et son projet de doré est bientôt terminée. Moi, j'ai hâte de voir le résultat. Donc nous allons maintenant vous faire une simulation de la cérémonie. Donc Vincent va être notre acteur pour cette simulation. Bien évidemment, ce n'est pas le vrai acteur de la cérémonie. C'est pour ça que vous allez avoir des petites différences entre la voix off, les vidéos et l'acteur qui est ici. Scénario, on passe à la remise du prix. Donc les maîtres de cérémonie font leur entrée sur scène pour pouvoir remettre ce prix. Une fois le prix desservi, le scénario reprend son cours.
son était mal réglé, on n'a pas bien entendu. Mais du coup, normalement, là, donc là, il y a la partie à gauche, donc c'est audiovisuel, et à droite, infographie. Enfin, ouais. la partie gauche de la salle, donc ceux qui sont vraiment le plus à gauche, vont représenter l'audiovisuel, et ceux le plus à droite, l'infographie. Et le but, c'est de faire donc, le plus de mouvements possible, donc d'agiter les bras. Et la caméra ici va capter, normalement. Et donc, voilà. En fonction de toi, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, et voilà. Donc, c'est une course. Donc, du coup, en fait, on va capter vos mouvements et ça va incrémenter un compteur. Donc, un compteur pour la partie gauche, un compteur pour la partie droite. Si l'un des compteurs est supérieur à l'autre, en fait, par exemple, si le compteur de la partie de gauche est supérieur à celle de la partie de droite, la flèche va se diriger vers infographie et, à contrario, audiovisuel. Voilà. Donc voilà, la caméra étant tournée de ce côté, vu qu'on n'a personne ici, c'est pour ça que l'infographie a gagné. Et... donc le scénario, enfin notre simulation du scénario et cet aperçu se termine. Donc là on voit bien que ce scénario peut être interactif et que vous avez eu les trois éléments que l'on retrouve dans le scénario, la voix off, la vidéo et l'utilisation d'un capteur. Et maintenant, alors notre travail sur le festival MMI n'est pas fini. La cérémonie de remise des prix se déroulant le 6 juin, il nous reste encore 2 mois pour faire en sorte que le festival se passe convenablement, donc sans aucun souci. Et du coup, donc, on a différentes tâches qui nous restent à faire, notamment donc, la communication. Il va falloir qu'on continue sur notre lancée, notamment en suivant le plan de communication que nous avons élaboré. Pour le développement que vous avez pu le voir, il y a encore quelques bugs et il va falloir donc qu'on corrige ça et qu'on continue à mettre à jour le site en fonction des retours qui nous seront apportés. Et enfin, nous allons devoir faire en sorte de finir l'assemblage de tous les contenus scénaristiques et multimédia pour le jour J afin que vraiment tout se passe sans aucun problème. Avant de conclure, j'aimerais appeler sur scène l'acteur principal Mohamed, ainsi que nos 2 maîtres de cérémonie, Fabien et Lucas. Donc du coup, pour finir cette soutenance, on va se quitter sur un thème musical. On va vous faire écouter en exclusivité le thème principal du festival, composé par notre cher collègue Pierre Legge. Pierre Legge, tu peux venir sur scène aussi, vas-y. Donc du coup, pour répondre à cette conclusion, à cette problématique, le Festival MMI offre beaucoup d'opportunités, que ce soit pour les étudiants ou pour les enseignants et la formation MMI en général. Pour les étudiants, cela apporte de la visibilité, une plateforme qui leur permet de montrer en fait... Je ne peux pas baisser le son. Qui leur permet de montrer en fait leurs créations qui ont été faites soit dans des UTMMI, soit dans leur temps personnel, donc du coup de mettre en valeur leurs créations, mais aussi pour la formation justement de se mettre en avant, d'avoir une meilleure visibilité à l'extérieur, donc, pas seulement en interne, mais justement d'accueillir de plus en plus d'étudiants et de montrer en fait ce qu'on peut faire au DUTMMI. Donc voilà. Enfin, j'aimerais remercier beaucoup de personnes. Tout d'abord, l'équipe enseignante, tous les acteurs du projet, donc qui nous ont aidés à la participation du festival. Les personnes de l'ISTN aussi qui nous ont loué la salle pour pouvoir faire le festival. Les acteurs principaux. Les maîtres de cérémonie, notre compositeur Pierre Legge, Jean-Christophe Abot du coup pour la création du site web, et le CFA 2000 qui a participé financièrement en fait à la création de ce festival. Voilà, merci beaucoup et merci de votre écoute. Ah ouais, et participez au festival s'il vous plaît.
Et du coup, on invite bien sûr tous les MMI à participer au festival, c'est très important. Voilà. On peut gagner 500 euros. J'ai commencé à chaque fois. Alors, merci à vous. Je vous félicite pour votre présentation qui est bien orchestrée parce que vous êtes très nombreux sur scène, mais vous n'êtes pas marché dessus. On a vu très clairement les différents pôles et chaque personne s'exprimer distinctement. Je trouve que ce que vous avez fait pour le festival est généralement très joli, très beau, de belle qualité, mais ça c'est mon collègue graphiste qui en parlera plus. J'ai beaucoup aimé votre travail sur le son, alors encore plus en l'écoutant, mais dans votre dossier, et sur la description, au fur et à mesure dans le scénario avec les changements de couleurs où on expliquait comment le son arrivait à quel moment, donc ça j'ai trouvé ça très bien. Donc je remercie aussi Pierre pour le travail qu'il a fourni pour votre projet, mais en fait pour aussi la formation MMI de manière plus générale. Et j'avais juste une question parce que j'ai vu ça dans une inquiétude dans votre dossier et peut-être que c'est le moment d'en parler sur l'accès à la salle avant par rapport à la diffusion du live où vous voulez en fait pouvoir retester ce qui est possible, etc. Donc là où vous avez les professeurs, c'est peut-être bien pour vous qu'on en discute. Alors du coup, oui, tout à fait, c'est un point assez important. C'est vrai que pour la soutenance technique, on n'a pas eu l'occasion de tester en fait les capteurs et tout le matériel en fait sur cette salle, ce qui était complètement nouveau pour nous. Donc on a eu un temps d'adaptation, d'essayer de comprendre. Donc on a eu un problème par exemple pour la rediffusion en fait, on n'a pas réussi à se connecter au service web de l'INSTN. Donc ça, c'est un truc qu'on va régler avec M. Wade et M. Fournerie. Oui, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des sessions de test, en particulier pour les capteurs, pour que ce soit vraiment calibré, pour qu'il ne soit ni trop long, ni trop lent, ni trop rapide, et que la cérémonie se passe vraiment bien, qu'elle soit vraiment fluide. Donc après, nous savons qu'on est normalement en stage, mais normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Enfin, on aimerait bien justement profiter d'une après-midi pour tout calibrer. Et puis voilà, si c'est possible, ce serait parfait. Voilà. Je pense que c'est important, effectivement, qu'on ait encore au moins une demi-journée, enfin, à mon avis, ce sera au plus une demi-journée aussi, parce que les contraintes qu'on a là-dessus, c'est qu'il faut louer la salle, là, je pense que ce coup-ci, il faudra la payer, mais on va le faire, hein. Et surtout, il faut que vous soyez, faut tous vous libérer la même demi-journée, donc il va falloir qu'on écrive aux entreprises qui vous accueillent, qu'on fasse un maintenant, je pense qu'il faut, j'ai pas répondu d'ailleurs à ces mails-là, donc moi je pense qu'il faut je pense pas qu'il faille mettre un avenant, de toute façon c'est trop tard, il y a des conventions qui sont déjà signées, mais il faut c'est pas faux oui voilà, il faut accepter. Moi je pense qu'on peut le faire de façon informelle plutôt avec les entreprises, je ne m'en rends pas compte. Ah non, pas un samedi, il n'y a pas besoin de négocier. Un samedi, je ne sais pas si les techniciens ne seront pas là les samedis non plus. C'est pas possible un samedi. Donc il faut trouver une demi-journée effectivement où vous puissiez faire votre répétition. Il faut que vous soyez libre. Alors peut-être pas tous, mais un certain nombre d'entre vous. Oui. À trouver un public, je pense pas que ce soit le plus compliqué effectivement, mais au pire je les libérerai. Donc qui devrait être présent pour cette demi-journée antérieure? Il y aurait combien de personnes? Donc 4 plus 4-5. Voilà, 4. Que j'identifie. Levez la main là, ceux qui vont devoir être présents. 6. Dans l'idéal, oui, mais je ne suis pas sûr que j'y arriverai. Voilà, tout ce qui est fait.
Ça fait un avenant avec deux nuits, demi-journée. Enfin, il faut les libérer la journée du festival, le 6 juin, plus une demi-journée. Ben, il faut contacter les entreprises, on voit ce qui est. S'ils sont d'accord, on leur fait signer un avenant, effectivement. Non, il faut discuter avec eux. Pour les stages, concrètement, la façon la plus délicate de faire pour pas qu'on ait des problèmes, que vous ayez des problèmes, c'est que déjà, vous êtes gentils, ceux qui sont pas en stage, vous en parlez pas lors de leur entretien. On est bien d'accord. Ça se fait une fois que c'est signé. Ok, hein? On perd pas son stage pour ça. Ok. Après, le mieux, c'est d'en parler de façon en face à face avec votre maître de stage pour voir comment ça passe. S'il n'y a pas de soucis, si il faut qu'on intervienne ou pas. Le mieux, c'est que ça soit justement d'abord avec délicatesse entre vous et votre maître de stage. À partir de là, si tout se passe bien, vous suggérez un avenant. Parce que ça vous protège. Un avenant, ça prend 2 secondes à faire. Il faut qu'on re-signe tous, mais il y a un bouton sur le passage, je sais faire des avenants. Si ça bloque, que vous avez l'impression que ça passe pas ou que ça vous a mis dans une situation délicate, vous nous mettez un mail, et soit monsieur le cadet, soit moi, on appelle, on voit. Donc en fait, vous ne forcez pas de votre côté, mais il faut absolument que ce soit vous qui en parliez d'abord, parce que si c'est nous qui le faisons de façon autoritaire, ça peut vous mettre dans une mauvaise posture, ce qui n'est pas le but. Donc vous en parlez d'abord, et vous nous faites un bilan, genre, ok, il n'y a pas de problème, et à ce moment-là, on peut proposer un avenant, où ils ont l'air de ne pas comprendre, etc. Et nous, on appelle derrière pour expliquer la situation. Ok ? Donc, je ne vais pas appeler les entreprises tel jour. Il faut que vous me disiez si vous en avez déjà parlé, de quel est votre besoin, etc. Parce que s'il n'y a aucun souci, voilà, encore une fois, le mieux, on fait un avenant. Et c'est très rapide à générer. Il faut juste que tout le monde re-signe, tout le monde tamponne. Et on double tamponnera. Madame Baudet-Fabre, donc qui sera notre enseignante en communication l'année prochaine en MMI, vous ne la connaîtrez pas malheureusement, mais les MMIens l'auront, suggère que on pourrait peut-être vous convoquer une demi-journée. On a le droit de convoquer apparemment les étudiants à l'IUT pour un rattrapage, pour quelque chose. Oui, ce sera un examen. Oui, bon, on rentrera pas dans les détails. Vous serez noté au moment de la cérémonie en plus, nous. Donc c'est vrai que ça correspond à une sorte d'examen finalement. Alors, faut discuter. Et si on. Peut-être le mieux serait de convoquer une demi-journée et de faire un avenant. Commencez par en parler déjà, effectivement, à votre maître de stage de manière informelle et envoyez-moi des mails pour dire comment ça passe, comment vous sentez. La date, il faudrait également la fixer assez vite, ça devrait être vers fin mai. Oui, Florence, ce n'est pas celui qui m'inquiète le plus. Là, ça. Florence, j'ai déjà contacté. Je pense qu'une fois que vous serez. Enfin, il faut commencer le stage un petit peu et en parler à ce moment-là, quand vous êtes un tout petit peu intégré. Alors, on en reparlera donc, de ça, j'avance à la suite. Donc, merci pour votre présentation. Donc, vous comprenez un peu mieux l'enchaînement. Ce qui me manque un petit peu, c'est que j'aurais bien aimé que le scénario soit développé jusqu'au bout. Là, on avait la première séquence web qui était assez claire, assez courte.
Après, on passait au choix entre audiovisuel et infographie. Alors, comme il n'y avait pas de son, je n'ai pas bien compris comment c'était amené, finalement. Je finis ma question. Et après, sur les autres scènes, c'est dommage que vous n'ayez pas continué à faire dérouler les scénarios pour qu'on puisse visualiser vraiment comment ça va se passer. Alors, en fait, on a voulu faire qu'une partie et on a pris donc la partie du début qui introduisait bien le scénario, qui permettait d'avoir les trois différentes choses qu'on retrouve dans le scénario, la voix off, les vidéos et le capteur. Après, on s'est dit que si on faisait trop de scénarios, ça allait durer trop longtemps et qu'on n'aurait pas forcément le temps d'expliquer du coup ce qu'on voulait expliquer. Je sais pas si moins d'explications et plus de scénarios auraient été problématiques. Mais vous avez clairement en tête le scénario jusqu'au bout. Oui, moi j'ai vu le texte, mais c'est pas pareil de lire le scénario et de le voir se dérouler devant nos yeux. On a déjà enregistré toutes les voix off, les vidéos qu'on avait besoin. Donc vraiment, on a tous les éléments possibles et le scénario tout détaillé, avec même le scénario avec le son détaillé. Normalement, il n'y a pas de problème sur le déroulement. Après, c'est la partie technique où il peut y avoir des problèmes. La musique de la cérémonie, je n'ai pas bien compris à quel moment vous l'avez lancée, quand est-ce qu'elle est utilisée. Du coup, la musique que vous venez d'entendre à la fin de la soutenance, cette musique-là, en fait, c'est le thème principal, c'est qu'on va retrouver un petit peu partout, donc que ce soit dans des jingles, que ce soit dans des transitions, mais en gros, c'est en introduction, en sortie aussi, en conclusion, donc comme on l'a fait ici. Mais en gros, c'est un thème qui va être amené à être repris, à être modifié, à être modelé pour s'adapter à différentes utilisations, en fait. À côté de ça, on a aussi des bruitages pour agrémenter la cérémonie. On a une musique, un thème spécifique lors de la remise des prix, donc une musique assez à suspense. Mais en gros, ce thème-là voilà, va être amené à décliner en fait. C'est la version brute et après on va retravailler dessus et le décliner en différentes versions. Et donc, sur la façon dont est amené le choix entre infographie et audiovisuel, donc, au début, l'étudiant il raconte son expérience, il raconte son premier cours de programmation, c'est très très clair. On remet le prix du web. Oui, mais après, la remise de prix est terminée. Et là, on n'entend qu'une voix, c'est ça, juste après, pour la séquence qui permet de choisir entre audiovisuel et infographie. C'est pas clair pour moi comment on arrive à ce choix, comment on est mené à ce choix-là. En fait, juste après la remise des prix, donc là, ça s'entendait vraiment pas très bien, donc ça doit être c'est quelque chose qu'on va devoir paramétrer. Normalement, c'est donc. Comme juste avant, c'est juste qu'il n'y a pas d'élément visuel derrière, en tout cas pas encore, et c'est donc l'étudiant qui parle avec une musique en fond, il explique que, voilà, que c'était ça son premier cours de web, et que maintenant ça lui donne, il a, pour réveiller la salle, il dit qu'il a envie de faire un petit jeu, et justement c'est là qu'il introduit le capteur, donc il demande aux gens de la salle, il explique qu'il y a une course à faire entre ceux de gauche et ceux de droite, que chacun représente soit l'officiel, soit l'infographie, et le but c'est vraiment de demander aux spectateurs, de les faire interagir, de leur donner de l'importance pendant le scénario, pendant la cérémonie, pour qu'ils aient le choix de la suite de la cérémonie. Il faut que je réécris le scénario en fait. Ça me paraît bizarre que ce soit un étudiant qui raconte de manière informelle son expérience en MMI, qui raconte comment c'est passé au début, et puis tout d'un coup il propose de faire un jeu, de choisir entre deux thèmes. Il y a quelque chose dans la transition qui me paraît un peu étrange. Voilà, après je me rappelle que dans les autres séquences il y a des choses très bien qui arrivent. Voilà. Je vais relire le scénario et je proposerai des questions après. Je vais passer le micro là pour l'instant. Alors, donc
au moment de la soutenance technique, les trois projets capteurs que vous avez présentés fonctionnaient assez bien, en vérité. Et c'était vraiment intéressant de voir que finalement, moi-même avais quelques doutes, et dans cette salle, ça a assez bien fonctionné. Là, ça fonctionnait moyennement. Est-ce que vous savez pourquoi ça a mal fonctionné? Alors, déjà, quand on a réalisé, hier, on est venu ici pour faire le calibrage et tout ça. Et en fait, on avait plus prévu que les gens seraient par là. En fait, c'est tout bête, mais on va dire c'est pas une caméra qui a un très grand angle. Donc, si on la mettait au milieu, ça aurait capté le mouvement que de ce côté. Oui. Et en soi, on va dire ce qu'on avait testé aussi à la soutenance technique, c'est qu'on avait bien testé le fait que les deux côtés, envoyaient deux informations différentes, qu'il y avait bien un côté qui pouvait passer en tête de l'autre. En mise en situation, dans la cérémonie, les gens ne se préoccuperont pas, ils ne s'amuseront pas à voir faire passer un côté en tête d'un côté à un autre. Il y a de fortes chances que ce soit le même côté qui reste en tête jusqu'au bout. Donc là, comme on a fait, on a mis en situation, vous avez bougé les bras jusqu'au bout, jusqu'à ce que le capteur soit activé. Donc c'est juste qu'on n'a pas vraiment démontré toute l'ampleur du capteur, si vous voulez. Et du public. Non, ça marche. Je pense que ça marche largement jusqu'au niveau, jusqu'au troisième, quatrième rang derrière. Ça dépend de la luminosité, de l'énergie qui met les gens aussi. Sinon, je continue. Là, votre site pour déposer des œuvres, il est fini ou il n'est pas fini encore? Quand est-ce qu'il va? Que les étudiants vont pouvoir déposer des œuvres. C'est ouvert déjà ou pas? Et alors, est-ce qu'il y a déjà des œuvres déposées? D'accord. Oui, j'ai reçu un mail. Par contre, il y a un bug assez important qui... Oui, alors je ne sais pas ce qui se passe parce qu'il me semble que ça marchait pas mal au début, mais là, quand j'ai plusieurs œuvres à valider, je ne vois plus que la première. Je ne peux plus valider les prochaines. Donc, et à Béziers, ils m'ont dit la même chose. L'an dernier aussi, ce qui fait qu'on ne pouvait soumettre qu'une seule œuvre par catégorie par établissement. Oui, mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faudra vite qu'on voit ce qui se passe. Sinon, vous nous présentez des choses qui sont absolument illisibles à l'écran. Hein. Les libellés sont tellement rikiki que c'est absolument pas visible. Ce sera sans doute pas des choses comme ça qui nous seront présentées. Mais voilà, pensez à ça, pensez au public. Parfois, il y avait des sortes de des catégories dont les libellés étaient absolument illisibles. Voilà, sinon, un grand merci à Pierre Legge pour son travail sur la musique et aux autres qui ont travaillé sur la musique. Avec ça. Voilà, merci à vous. Oui, alors, sur le logo festival, bon, voilà, il est stabilisé, il nous semble très bien. Juste deux petites corrections. Vélizy, c'est un E accent aigu, donc les capitales s'accentuent, sinon c'est une faute typographique. Et 19e, vous me ferez un petit E, alors c'est pas E exposant, enfin, vous regarderez comment ça se fait un E de 19e pour que ce soit un logo, puisqu'il va être diffusé, il va rester dans 30 ans quand on cherchera les archives du festival. Les mêmes îles Vélizy, on trouvera ça. Donc faites-le bien. Vous êtes fâché avec l'accent de Vélizy sur votre page de saisie, la page web. Il y a eu tapé Vélizy et le E accent aigu n'a pas été reconnu. Il y a eu un symbole bizarre. Il y a eu un. Voilà. Bon, à corriger. J'aime bien le
travaille sur les pictos, là, les six petits pictos des six catégories, ils sont bien, ils sont propres, ils sont homogènes, ils sont créatifs, ils sont reconnaissables, ça c'est très bien. J'ai bien aimé aussi la recherche préliminaire sur le logo B1, où il y a pas mal de variété, de créativité sur le logo. Et puis sur la charte graphique, j'aimerais un peu plus de réflexion sur un visuel comme ça, qui semblerait être érigé en visuel qu'on s'appelle générique, puisqu'on le retrouve sur la fiche, on le trouve sur le t-shirt. D'ailleurs, Lilian, vous avez mis le t-shirt à l'envers, vous n'êtes pas dans la chambre. Donc moi, ce que j'aimerais... Oui, ils sont trois hors charte, refusés par la charte. J'aimerais que dans votre charte, on comprenne bien ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, notamment si vous proposez des stries obliques, est-ce que c'est un élément de charte qui peut être répété ou est-ce que c'est ponctuellement pour l'affiche? Mais quand on le voit sur l'affiche et sur le t-shirt, on peut croire que c'est répété. Ce personnage-là, oui, j'aurais imaginé que votre idée qu'une statue de Versailles prenne le trophée sous le bras, je trouve que c'est une idée sympa. Mais pourquoi pas la décliner? Pourquoi il n'y aurait pas d'autres sculptures de Versailles qui auraient aussi à leur tour là? Donc ça, ce sont des idées. Soit c'est une mauvaise idée, soit c'est une bonne idée. Si c'est une bonne idée, ben, il faut trouver d'autres statues, il faut le détourer et faire une espèce de... Et une charte, ça se décline. C'est des éléments de créatifs que l'on retrouve pour entériner une ambiance. Et vous êtes assez nombreux pour taper charte graphique sur Pinterest et sur Google pour voir ce que c'est qu'une charte graphique et avoir des idées. Et après, vous avez la main-d'œuvre pour la faire. Donc si vous me proposez 10 statues de différentes postures rigolotes, des hommes, des femmes, des vieux, des petits chérubins, des vieux barbus de Versailles qui se passent le relais, pourquoi? Mais je dis ça, mais ça peut être mille autres choses. Mais à cet état-là, il y a un logo qui est correct, qui va être très bien une fois corrigé. La charte, il y a des éléments, mais ça pourrait être beaucoup plus sympathique, beaucoup plus... Là, c'est un visuel, effectivement, il attrape l'œil, il est pas mal, moi je trouve beaucoup mieux que ce qui était fait avant, mais moi je me souviens du festival de Saint-Didier dans les Vosges, il y avait la bête du Gévaudan, je me rappelle, parce que la bête du Gévaudan à Saint-Didier, c'était cohérent, il le déclinait. Celui de l'an dernier, là, avec l'espèce de tour en chrome, je ne me rappellerai pas, parce que je ne vois pas d'où ça sort. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas si dans 10 ans, on dira ah oui, Vélizy, c'était l'espèce de grosse tache noire avec du doré. Voilà. C'est pas sûr qu'on le mémorise par rapport au concept. Donc essayez de faire une charte qui ait des éléments intelligibles et intelligents et mémorisables. Ouais, moi je voulais surtout vous parler du bug, mais comme on l'a évoqué, c'est un truc qui nous a gêné l'an dernier, qui n'existait pas il y a 2 ans. Donc je pense que c'est dans le code d'une requête SQL, un truc, ça doit être rien, mais pour retrouver ça, vous avez le moyen de tester, de faire des tests, ça, pour ça. Qui c'est qui? Oui, mais est-ce que vous avez essayé de faire plusieurs soumissions par site? Par établissement, pour Vélizy par exemple. C'est ça qui... Plusieurs... Ouais, plusieurs soumissions... Oui, mais alors, est-ce que parmi les œuvres déposées officiellement, il y en a plusieurs de la même catégorie, du même établissement? Regardez ça, parce que l'an dernier, visiblement, il y a eu un problème. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a gênés. Ouais. Bon, à part ça, j'ai participé un peu à l'élaboration du scénario, ça me paraît maintenant bien lancé. Faut leur permettre de stabiliser maintenant le scénario, ils ont besoin. Et c'est un spectacle. Donc, il y en a qui font du théâtre parmi vous, en dehors de l'IUT? Ok? Si? Un petit peu? Bon. Ça se répète comme une pièce de théâtre. C'est un spectacle, donc il faut le jouer, il faut le répéter. J'aurais beaucoup aimé voir Mohamed dans ses œuvres déjà aujourd'hui, parce que ça aurait permis de répéter un peu et de le lancer. Jouez-le vraiment à l'avance, répétez. C'est comme ça que ça rentre et que ça marche. Il n'y a pas d'autre méthode en fait, pour un spectacle live comme ça.
J'aurais encore des choses à dire, monsieur. Ah, donc ben, je suis beaucoup moins énervé déjà que jeudi dernier. Vous voyez, ça a beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, première chose, peut-être que vous m'avez, parce que vous m'avez fait plaisir, vous avez lu la note de cadrage que vous avez demandé de lire. C'est bien. Alors, je n'ai pas retrouvé l'adresse où était hébergé le site maintenant. En fait. C'est Festival 2019. C'est Festival 2019. IUT-Vélizy. Remettez-moi la voix. L'histoire de Biwan et son projet. Alors, il est là. Donc, en haut, le site du festival, du coup, est hébergé sur. Festival. Ah, c'est Festival MMI. Okay. Le site du festival actif, donc le donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ça, c'est bien. On peut vous demander une petite chose supplémentaire, ce qui pourrait être intéressant. Vous allez aller voir votre collègue M. Moreau, il vient de vous faire signe. Enfin, il vient de vous faire signe. C'est très bien d'avoir fait d'avoir hébergé, mais c'est vrai que l'intérêt est limité de l'avoir ici et en production, et c'est à Laval, enfin c'est à OVH, chez OVH, enfin bon, c'est un compte qui doit appartenir à l'UT de Laval. Je suis d'accord avec vous que ça a peu d'intérêt dans ce sens-là. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de synchroniser toutes les nuits la base de données. Comme ça, en plus, vous avez une sauvegarde si jamais il y a un truc qui ne se passe pas bien. Synchroniser la base de données toutes les nuits sur notre serveur. C'est très simple à faire, enfin très simple, c'est pas très compliqué. Fait, donc, je pense pas que ça soit infaisable, vous êtes 15, enfin 13. Ouais. Je boucle un peu avec ça, mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est. Si jamais vous pouvez me voir, si en plus vous faites ça pour le 6, ça serait parfait. Sinon, concernant votre présentation, c'était beaucoup mieux que l'autre fois. Je pense que vous avez beaucoup plus préparé que la fois précédente. Il n'y a pas de secret. Je suis complètement d'accord avec ce Pierre. Je pense que, en plus, comme vous, il va y avoir. Alors, il y a la partie technique, mais il y a aussi toute la partie jeu de rôle. Qui, voilà, plus vous allez en faire, plus vous allez être bon. Et si vous en faites 15, vous serez meilleur à 15e qu'à la 5e, c'est sûr. Et vous voyez bien que les petits réglages, même sur une petite soutenance de 20 minutes, je sais pas, c'est, vous avez prévu combien de temps pour le 6 pour le 6 juin, c'est, la cérémonie est censée durer. Ouais, autour de 2 heures, bon, vous voyez, donc là, déjà en 20 minutes, vous avez vu les 2-3 petits couacs, vous imaginez sur 2 heures, dans des infrastructures que vous ne connaissez pas, plus vous allez vous entraîner, meilleur ça sera, voilà, et puis plus on sera content, et puis vous aussi, parce que je me fais beaucoup moins de soucis, mais voilà, il faut que vous ayez, je pense, accès à la salle, au moins une demi-journée, et puis en plus que vous entraîniez, mais bon, ça va être compliqué à tester, voilà, c'est déjà mieux, il ne reste plus qu'un mois et demi, quoi, allez, bon courage. Je voulais faire un commentaire, enfin une réponse au commentaire par rapport à M. Clèche et la charte graphique. Non, il y a rien du tout. En fait, genre la charte graphique, on a eu beaucoup de problèmes. Enfin, même si j'étais chef de projet et tout, vu que j'ai une tendance, une affinité avec le graphisme, j'ai pu assister énormément à ce qui a été fait. J'ai participé notamment au web design, aux icônes, et c'est moi qui avais réalisé l'affiche que vous avez vue sur le t-shirt. Du coup, on a eu beaucoup de problèmes, par exemple, en phase de conception, où en fait, on ne trouvait pas en fait notre style et tout. Et la charte graphique, comme vous l'avez souligné dans un cours, que c'était basé énormément sur le logo et qu'on ne trouvait pas de déclinaison. Et c'est vrai que, en fait, cette affiche que vous voyez là, en fait, c'est le début en fait de vraiment l'identité graphique. Qui va être décliné, on a des images en fait qui sont faites pour ça, avec différentes statues comme vous l'avez dit. C'est juste qu'on a pris énormément de temps à trouver en fait un style, comme on avait fait en réunion avec le pôle artistique de l'IUT, pour trouver justement une ambiance graphique, une ambiance au festival. Donc que ce soit avec le thème des aviateurs, je m'en souviens, par rapport à Vélizy ou le thème de Versailles, et c'est vrai que ce n'est que très récemment en fait qu'on a trouvé la véritable identité visuelle en fait du festival, et c'est à partir de ce moment-là, même si c'est un peu tard, je le concède, que ça va se faire en fait. Voilà. Le stylisme.
sur le dossier. Par rapport à d'autres dossiers, vous avez eu l'effort de refaire entièrement une problématique par rapport à l'an dernier, puisque pour les autres, j'ai beaucoup relu des choses qui avaient été faites pour M. Morin l'an dernier. Donc, vous, c'était un développement complètement... Je vous regarde, parce que je suppose que c'est vous. Je ne sais pas. Complètement neuf. La problématique est pertinente. La réponse, en fait, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe. C'est vous supposez que le festival est inefficace, mais vous n'avez pas les moyens de le vérifier. Il aurait fallu soit faire une enquête de terrain, soit expliquer qu'il faudrait faire une enquête de terrain de telle ou telle façon pour vérifier l'impact effectif. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, de comprendre que vous ne pouvez pas simplement affirmer un impact. Moi, cet impact, je n'ai pas les moyens de le mesurer sur la formation MMI, et à mon avis, vous ne l'avez pas non plus. Donc il faut réfléchir à la façon dont on peut mesurer un impact. Mais j'apprécie encore une fois que vous ayez fait un travail nouveau par rapport à l'an dernier. Pour la communication, il y a quand même un certain nombre de points que dans le dossier je trouve vagues. Et notamment, ce qui m'a le plus interpellée, c'est le « nous avons tenté d'entrer en contact avec des journaux », page 18. Et j'aurais aimé que vous expliquiez quand, comment, en étant précis, puisque pour avoir... C'est quand même... J'ai jamais vu un festival MMI où il n'y ait pas la presse locale. Donc la question serait comment vous avez communiqué avec les journaux, communiqué de presse, quel communiqué de presse, je ne vois pas le mail, je ne vois pas la date, je ne vois pas la façon dont c'est formulé. J'aurais aimé comprendre les raisons de ces contacts infructueux. Il peut en avoir des tout à fait valides. Hein. Alors en fait, on a donc fait un communiqué de presse qu'on a donc transmis aux Parisiens qui ne nous a pas répondu, au blog du MMI qui eux sont en attente de validation et qui m'ont affirmé qu'on serait à leur agenda. Et plus récemment, on a commencé à faire pour la presse locale, donc on est en attente de réponse. Mais on va relancer pour que ça soit... Oui. Et là, pour le coup, vous avez quand même potentiellement besoin, donc déjà ce communiqué de presse, moi je ne l'ai pas vu dans le dossier. Alors, j'ai lu à partir du dossier de communication. Vous ne me l'avez pas mis en annexe. Je ne l'ai pas vu, je peux me tromper, je vais le revoir. Ouais. Et... Très bien. Alors, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est pas dire qu'il est pas, mais je ne l'ai pas vu. Par ailleurs, pour ce type de choses, vous pouvez avoir besoin d'un soutien institutionnel, c'est-à-dire qu'il aurait pu être bon que ce soit potentiellement un représentant enseignant du département qui l'envoie pour donner du poids. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas les relances, etc. Mais ça peut être. Et une cérémonie retransmise direct sur YouTube, ça vous choque pas, vous? Moi, déjà, la phrase, je suis désolée, je comprends pas. Une cérémonie retransmise direct sur YouTube, en aval, en direct, en aval. L'aval, c'est en direct. Donc, bon, parfois... Bon, parfois deux relectures peuvent valoir mieux qu'une. Et par ailleurs, pour ce type de choses, pour rendre compte d'une action de communication, il faut la date, les dates d'envoi, les dates de relance. Et si vous n'avez pas de réponse, il faut interroger les raisons possibles. Est-ce que c'est lié au calendrier éditorial? Est-ce que c'est lié à votre message? Est-ce que c'est lié aussi à la personne qui émet? Et là, peut-être que c'est signé qui? Là, il faudrait, pour avoir un retour, il faut que ça soit signé Olivier Lecadet, chef de département métier du multimédia, IUT machin truc, logo, université, Paris-Saclay, faut zéro légitimité, on ne sait pas qui vous êtes. Donc là, sans parler, là je suis tombée, j'ai lu une phrase, il y en a qui manque un mot. Hein. Mais vous avez un gros problème de logo là, c'est que ça devrait être charté UVSQ.
déjà, ça devrait être émis par une adresse de l'Université Versailles-Saint-Quentin. Je ne sais pas avec quelle adresse vous l'envoyez, mais ça doit être émis avec une adresse institutionnelle, avec une signature institutionnelle, pour qu'on ouvre votre mail. Voilà, simplement ça, pour une question de temps. Et ça, je ne peux pas le voir dans le rapport parce que ça y est pas. Comme je sens que M. Le Cadet-Piaf, il a envie de dire plein de trucs, je vais laisser si on regarde. C'est ma question. Par ailleurs, votre diaporama, sous mon tour, c'est vrai. Votre diaporama, il y a 3 fautes d'orthographe. Vous êtes les seuls à avoir fait des fautes d'orthographe dans votre diaporama. De toute la promo. Je dis ça. Je dis rien. Moi, j'avais sauté tout de suite sur ce qui m'inquiétait le plus. Je voulais quand même aussi vous remercier parce que c'est un projet de 13 étudiants. C'est un gros projet, ce n'est pas simple à organiser. Et je trouve que vous vous en sortez bien sur cet aspect-là. L'agence, je pense que chacun a sa place dans l'agence. Il y a des petits problèmes par-ci, par-là, mais globalement, cela fonctionne. Donc, bravo pour cela. Il y a beaucoup de travail. En informatique, ça suffit parce que le site prend quand même beaucoup de temps à développer. Plus le travail sur les capteurs, c'est satisfaisant. Après, il faut que ça marche le jour J. Petite remarque sur le tableau des heures, il n'y a pas toujours les totaux, c'est dommage. Un peu de pression qui va retomber ce soir, je sais. Parce qu'il y a quand même des différences de nombre d'heures, c'est normal. J'aurais bien aimé voir les différents totaux. Du coup, au niveau des heures, c'est vrai, ça a été un peu découpé à l'arrache. Alors, les heures, alors qu'elles sont aujourd'hui donc dans le dossier de réalisation, étaient encore en cours de modification, sachant que cette dernière semaine, on a fait le dossier de réalisation, on a fini tout le reste, on a essayé de corriger le tir sur les points qui ont été émis en sous-tendance technique. Les heures sont très peu représentatives en fait, pour certains, où on peut voir par exemple un nombre d'heures assez faible, alors que non, justement, ils ont été autant participants du projet que certains. Il est vrai que des personnes comme Julien, qui ont énormément travaillé sur le site parce que le projet était déjà important, et c'est surtout aussi des corrections au fur et à mesure. Mais non, tout le monde a participé au projet. C'est vrai qu'au niveau des totaux... excusez-moi, c'est la pression qui redescend. Et donc du coup, voilà, normalement on a, je dirais pas que c'est vraiment homogène, mais il n'y a pas non plus de grosses disparités en fait entre chacun des membres du projet. Voilà. En plus avec normalement le futur travail qui sera amené à faire jusqu'au jour de la soutenance, je crois. Ouais, la cérémonie. Donc du coup, il y a encore moyen justement de régaler ses œuvres. Donc, vous pouvez me faire un bilan aussi sur l'utilisation de Pure Data. Finalement, c'est assez utile dans un projet comme celui-ci. En vrai, on n'aurait clairement pas eu une idée des capteurs, dans ce projet si on les avait pas découverts avec Monsieur Oua et avec Pure Data. Ce qu'on a vu, c'est que oui, Monsieur Oua était très sceptique au début sur leur utilisation, et j'ai envie de dire, on a fait découverte en montrant qu'on pouvait les utiliser sur un public. Donc il y a des aspects qui sont toujours dommages. Par exemple, là, le seul moyen qu'on a pour capter les mouvements, c'est cette webcam. Ce qui n'est pas fou, quoi, que j'ai comme ça. On aurait voulu pouvoir utiliser une caméra haute définition, comme ça on aurait pu utiliser le capteur sur le Stade de France, ça aurait été... Mais sinon, ça marche, on arrive à capter la lumière des téléphones portables si on met ça dans le noir. Pardon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès.
Si on met ça dans le noir, on capte la lumière. Si on, si on demande au public de faire du bruit, le bruit est capté, l'animation marche. Bref, en vrai, c'est vrai que maintenant qu'on a vu qu'on pouvait faire ça, c'est une possibilité qu'on pense devrait être plus envisagée plus souvent dans les vraies performances audiovisuelles, à la télévision ou tout ça. Pourquoi pas ? Non mais en soi, pourquoi pas ? Ça marche. Le public, au final, il s'est amusé. Bon, tout va bien. Je voulais rajouter un mot au niveau du Pure Data que j'ai un peu omis. On a eu des sueurs froides avec Florent parce que Pure Data c'était surtout un langage qui a l'air super simple de base. Enfin, à première vue, on se dit ouais, c'est en boîte, c'est facile. Mais quand on doit faire des trucs un peu plus poussés, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Donc heureusement que c'est bien documenté, qu'on a été bien suivi. En tout cas, merci monsieur. Merci beaucoup. Bon courage jusqu'à la cérémonie.